Mais du coup ils sont plus que deux non? En tout cas je vais faire un verre. Ah c'est bon, il y a eu. Je suis là, je suis rentré là. C'est bon, bien entendu, j'ai tapé. Il peut même passer, il a déjà bouffé une bombe cheese. Je le balance partout comme ça, il pourra passer. Je l'ai droppé le P4 et tout. GG mec, GG. Il va pas récup, aide-moi. Comment dire? Vas-y, écoute, t'en as pour combien de temps? Oh, bah, game, j'ai drop, what? Wesh les moches, c'est KitKat, on se reprend pour une petite intro, comme d'habitude. Premièrement, je vais vous dire que j'ai changé de PC en fait très récemment, donc du coup, je sais pas s'il va y avoir quelques bugs pendant le rendu, etc. Je vais essayer de faire un rendu en 1080p 60fps pour la première fois, mais ça se peut qu'il y ait des bugs au rendu, au montage, etc., juste au record par exemple, donc m'en voulez pas trop si ça arrive, hein, mais maintenant j'ai 200fps, c'est parfait, voilà, c'est parfait. Bref, si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, je publie rarement mes réseaux, du coup, ben Snapchat, Twitter, Discord, etc., tout est dans la description, donc si vous voulez me follow ou quoi, ben ajoutez-moi, tout est dans la desk. Ensuite, je vais prendre vraiment 30 secondes de la vidéo pour pub le Discord de mon pote, en fait. C'est un pote qui ouvre un serveur Skyblock, du coup, ben, je vais même pub son petit Discord parce que j'ai fait une vraie présentation. Mais du coup, voilà, petit Discord, si vous voulez y aller, c'est un serveur Skyblock qui est en train d'ouvrir, et puis il est dans la description, donc voilà. Ensuite, comme d'habitude, pour le déroulement de la vidéo, là, il y a la petite intro. Ensuite, une présentation de serveur qui va durer très peu de temps, je pense qu'elle va durer 3 minutes environ. Et pour le reste du record, en fait, c'est la vraie vidéo, quoi. Aussi, si vous demandez pourquoi depuis tantôt j'ai trop les ondes dans mon inventaire, c'est parce que je viens tout juste des acheter en fait, parce que le serveur me paye en PB à chaque vidéo en fait sur mon nombre de vues. Du coup, si vous voulez plus de clics, faites plus de vues, de likes, etc. Comme j'aurai plus de PB. clin d'œil. Hop, petite coupure en gros, au lieu de faire gagner 3 clés, j'en fais gagner 10, donc 2 lots 3 et 1 lot 4. Si vous voulez savoir pourquoi, bah, dites merci à Capitaine, il vient tout juste de m'en give, donc bah, merci beaucoup à lui, hein. Mais du coup voilà, je voulais vous en faire profiter au lieu de juste profiter moi-même, donc je répète, si vous voulez participer, bah, c'est le même principe que écoutez le résultat du record et vous allez savoir comment participer, mais du coup au lieu de faire gagner 3 clés, j'en fais gagner 10, donc voilà, participez, et puis moi je vous retrouve tout de suite maintenant en fait. Mais bref, je vais faire 3 gagnants, du coup bah, juste premièrement, le résultat du dernier concours, j'ai gagné 2 clés légendaires et 2 clés magiques. Donc bim, les deux gagnants, vous deux GG. Et maintenant je vais win 3 clés légendaires, donc 3 pour 3 personnes différentes, 3 lots. Pour participer, c'est pas trop compliqué, il y aura une image maintenant qui va arriver. Ceci c'est un exemple, il y aura la même image qui va apparaître plus tard dans la vidéo. Du coup, bah, avec écrit juste en dessous comment participer. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis, il fallait écrire dans le commentaire votre couleur préférée, qui fait like, s'abonner, etc. Mais quand cette image-là va réapparaître plus tard dans le record, bah, ça va écrire un autre message qu'il faudra écrire dans le commentaire. Donc au lieu d'être votre couleur, ça va être un autre truc qu'il faudra écrire. Enfin, bref, si vous voulez participer au concours, regardez toute la vidéo. Moi je laisse avec le vrai record. C'est KitKat, et puis voilà, ciao ciao les jeunes, et merci de liker, s'abonner, tu seras comme d'habitude, ciao ciao les jeunes. Re les mecs, on se retrouve sur Lunaria. Lunaria c'est un serveur PvP faction Vanilla en fait, donc les cracks sont on, c'est un farm to win et le serveur ouvre samedi à 16h. Du coup si vous êtes intéressé, toutes les infos sont dans la description, leur Discord, leur site, etc. Et puis voilà, moi je vous présente le serveur, j'ai déjà tout expliqué dans l'intro quoi. Les serveurs déjà une V1, du coup ils savent un petit peu comment s'occuper de leur serveur, ils tapaient environ 100 coups par jour, donc c'est parfait, il y avait déjà une base de joueurs, et puis là ils m'ont contacté ainsi que d'autres youtubeurs pour pub le serveur. Il va avoir un classement faction s'il veut arriver, ils me l'ont pas dit de le montrer, mais ils m'ont dit qu'il y en a d'avoir un, donc ben j'en parle. Bref, ici 2-3 informations qui sont disponibles là, en fait, les crackons, j'ai déjà dit ça. Mais sinon, il y a le stash shop, des VSH boutique, surtout le stash boutique qui est intéressant. Tout ça, on peut acheter spawner, kit, et puis les commandes in-game. Il n'y a pas les grades par contre, mais toutes les commandes, slash home, etc., vous pourrez les acheter in-game. Donc, du coup, voilà, ça augmente l'aspect farm to win. Et ensuite, ben, ça reste un serveur vanilla, quoi. Il n'y a pas 10 000 nouveautés, mais je vais toutes vous les présenter. Ça va être assez rapide, en fait. Vraiment, il y a des dynamites. Ça, c'est pas une dynamite qui se lance en faisant que les doigts. C'est vraiment un truc, juste une dynamite qui se pose dans les claims ennemis, en fait. Donc, même quand c'est claim, tu vois, pouvoir poser ce bloc là, et c'est juste une TNT qui va s'activer automatiquement quoi. Tu la poses, elle s'active automatiquement, et puis ça fait péter quoi, c'est juste logique. Ensuite, pour tous ceux qui ont joué à la Cofaction, en fait, ça c'est une farm à la Cofac, vous venez de voir par vous-même. En fait, les melons ça pousse automatiquement, ça pousse pas sur des blocs de terre en fait. Pas obligé de les récolter à la main, ça spawn, ça tombe par terre, du coup, ben au lieu de faire des farms avec cactus, en fait, tu fais des farms comme ça, et c'est mieux parce que souvent ça faisait lag les serveurs des farms avec des pistons, et ça fait zéro lag les serveurs, c'est juste pour récolter. D'ailleurs, on va rester dans le farm, il y a un Hooper là-bas, c'est un petit ajout assez sympathique. En gros, c'est un Hooper qui récolte tout dans un chug en fait. Faut qu'au lieu de faire un système d'eau qui irrigue tout et qui va au milieu avec des farms comme ça ou avec des farms à cactus, ben tu fais un Hooper en plein mission de ton chug et ça récolte tout dans le chug en fait. Donc voilà, c'est très pratique. Mais ce système là, vraiment, j'avais bien aimé sur Kofak, surtout qu'il est pas mal inédit. Du coup, ben parfait qu'il le réutilise. Ici, logique des pains Ast, il y a ça un petit peu partout. Pas obligé de vous expliquer c'est quoi, mais pendant 8 minutes vous avez Ast. Ici, j'ai vraiment pas compris comment ils ont fait pour faire ça sur un launcher. Mais en gros, vous regardez ma barre d'XP, ça c'est des blocs d'endstone, mais c'est considéré comme des boches à XP.
d'XP, et quand tu fais clic droit avec un récolteur d'XP, ben ça te donne de l'expérience en fait. Normalement, ça se régénère au bout de 5 minutes, et j'imagine que ces blocs-là vont être achetables au shop, sa boutique, etc. Mais bien sûr, ils sont pas minables dans l'end, en tout cas, ça m'étonnerait. Et puis voilà, c'est juste des boches à XP, surtout qu'il y a un petit bug à l'extérieur, ça va régénérer dans une minute, genre, mais normalement, ça devrait prendre 5 minutes. Ensuite, ici, si on passe sur le marché noir, en gros, il y a du stuff légendaire unachetable au marché noir qui est disponible dans la Warzone. Ça se fait seulement avec des fragments d'or, c'est des pépites d'or in-game. Et puis, en gros, ben voilà, le stuff légendaire, c'est du stuff vraiment, ben, comme c'est dit, légendaire, il y a tous les enchantes dessus. P5, U5, les outils, j'imagine. Ah, ça, c'est du sharpness, combien ça? What? Pourquoi c'est écrit affûtage? Attends, je viens de changer le nom de la langue de mon jeu. Bref, c'est un marché noir, comme vous avez compris, c'est quoi le principe. Ensuite, ici, pioche de spawner, ben, encore une fois, ça dit dans le nom, c'est une pioche pour récolter les spawners, donc ça augmente le fait que le serveur est pas pay to win, mais je veux dire, le serveur c'est vraiment 100% farm to win. Et puis vraiment, ce serveur-là, c'est pas comme sur tous les serveurs qui disent « Ouais, maintenant on est farm-to-win pour attirer des joueurs », c'en est vraiment un, je trouve. Bref, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, vu que ça reste un vanilla, il n'y a pas 10 millions de choses à présenter, mais voilà, ça reste quand même des petits ajouts assez sympas qui améliorent le gameplay, même si c'est du vanilla. Encore une fois, si vous êtes intéressé à venir jouer, tout est dans la description, et puis moi, je vais vous laisser avec la vraie vidéo. Ben voilà, merci à Lunaria de m'avoir fait confiance, parce que là, en ce moment, je suis occupé sur le serveur, donc je fais un petit peu ce que je veux, mais donc, merci de m'avoir fait confiance, surtout qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Merci pour avoir regardé ça, je vous laisse avec la vraie record. C'est KitKat. Ciao ciao les jeunes. Et KitKat pas content, attention. Oui, c'était pas. Ah ouais, c'est... Non mais KitKat c'est plus 40% de points d'attaque hein, avec une force 2. Mais je sais pas, ça veut dire quoi ça? Bah je sais pas, mais je pense que normalement force 2 c'est genre 160% je crois en bail dans le genre. Ouais, c'est comme ça ouais. Ouais, 120 je crois. C'est... Mais t'es en même temps, bah, on va voir avec force 1 ça nous convient, il faut que tu prennes une potion de force 1 gros. Mais du coup ils sont plus que 2 non? En tout cas je me fais un 1 moi. Ah c'est bon, y'a bien. Ouais, je suis là, je suis rentré dedans. Belle drop. C'est bon, belle drop, je tape. Il bouffe une bumchies, il a déjà bouffé une bumchies, oui. En fait ils sont un GK, bumchies, c'est le truc. Fait qu'il faut les faire broke. Genre là Willy, tu bumchies, tu peux pas tester. Oh, okay. Comme un con, j'ai broke ma pioche. Rip. Y'a le quoi ta pioche? Mais c'est vrai qu'on pourrait spawn easy là-dedans, hein, même en se faisant taper. Q3, fortune 3. Ouais, le blanc c'est partout comme ça il pourra pas se taper. Je l'ai drop full P4 et tout. GG mec, GG. Will va pas récupérer de moi. Will va pas récupérer de moi. Ça crache si c'était pas gros de ça mec. Non mais c'était leur serveur de merde. Bon du coup t'as drop toi, t'as drop un gars? Ouais. Bah du coup tu me partages ou. Attends deux secondes. Hop. Du coup les mecs on a drop ce petit P4 là, moi je laisse à une autre séquence. Tu veux je te donne le deuxième P4? Kidia, tu peux me tes pièces? Ouais. Kidex, t'as un peu de fire resi. Kidex, mais où Kidex? Attends. J'ai une poison moi encore. Je vois pas de mec qui s'appelle Kidex. Qui là? Non, c'est une poison. Je pense que je vais la garder pour Bakuko. Je vais la garder pour Bakuko la poison, je pense. Wayo. Wesh, ah oui, d'accord. Sale. Poison. Y'a un mec qui monte. Ouais, mais c'est la clause. Oh, nice, bien joué. Eh, faut laisser les monter et je vais les punch et ils vont être killés dans la toile d'araignée. Ah, y'a un mec qui me punch. Bon, bah, il faudrait quelqu'un mine, non? J'arrive pas avec les échelles, ah voilà. Merde, il y a overgame. Oh putain les gars. Oh fils de pute, j'ai fait combien d'argent? Il est où là, tu le vois-tu? Y'a un mec en bas, y'a encore, encore un mec en bas. Y'a encore deux mecs en bas. Mec, je suis sur Kidex là. Craft, tu veux où? Viens m'aider. Regarde, c'est bon, il est câblé. Oui. Il me veut bien moi. Attends. C'est bon, ah, j'arrive pas mec. Oh, ça bug. J'ai câblé Kidex est dans l'étoile d'araignée, Kidex dans l'étoile. Yo, ah, y'a deux mecs. Oh sale. Oh, moi je suis en fight. Est-ce que vous PVP? Oui, on PVP, on PVP. Ah, attention, y'a un mec derrière toi, y'a un mec. Non, je le capais, je le capais. Pas okay, moi, je vais déheal, j'étais pas mort. Ça lag. Ça lag trop pour. Il va retirer à back. Oh, j'ai mis un mec dans les. Oh non, je mais tu dis que c'est TP, il a fait sagement dans l'étoile, mec. Putain, mais c'est quoi ce serveur? Tu fais sagement dans l'étoile? Craft, tu... Non, pas ici. Si, ça spawn. Si tu traverses la ligne noire, ouais. La ligne rouge, ou je sais pas quoi. T'en as pour longtemps? Bah oui. Overgame, il lag overgame. Ah, je veux quelque chose. C'est pas le serveur. Y'a Kidex qui s'est barré. Kidex s'est barré. Là, je suis un peu dans le pétrin. Mais. Je suis un peu occupé moi. Chav, on est tous en fight là. Oh, Kidex c'est TP les mecs. Kidex c'est TP, fait chier. Y'a encore Overgame, y'a bientôt Brook, je pense. Y'a Tom. J'ai plus de dura au niveau des bots. Mais les mecs, y'a tout le monde qui back parce qu'ils ont plus de dura. Tu m'étonnes. Je l'ai eu. Oh, match, je l'ai raté. Non, il est dans toi. Y'a Aqua. Vous pouvez venir à la sortie, y'a Aqua qui m'a fait tomber. Oh merde. Les gars, je crois que c'est plus pour moi là. Mais oui, t'es pas capable de craft, de back craft. Si, peut-être. Bon, je suis en train de il y a 12 000 mecs. Hein. Moi, je suis revue game. Là. Moi, je suis dans la merde. Comment dire, vas-y, cool, t'en as pour trop longtemps. Enfin, combien de temps? Game, j'ai drop. What? Ah, j'ai trop, je suis là. J'ai eu son casque, mais j'ai rien eu. J'ai eu bot. Mais il était double stuff, il est double bot. Mais mec, TPS. J'ai rien eu. TPS.
Bah, vous pouvez voter pas moi ou pas pour Melp? Bah, je vais farmer tout simplement. Bah, écrase, Ornex, t'es bouge, bouge, t'es pétoi craft. Ornex, bouge, t'es pétoi Ornex. Je peux pas me punch, il me suit. Bouge, Ornex, puis t'es pétoi craft. T'es pétoi craft. T'es pétoi le fils à ta main. Bah, normalement, c'est 30 minutes par personne. T'es où le fils? T'es pétoi lui, t'es pétoi lui. T'inquiète, mais en fait, je fais juste.